miséricorde, avec toi rien d'impossible. On m'a dit que près de toi, le malin devient bonheur. Tu es une muraille pour ceux qui croient, plus de peur. Ceux qui veulent m'humilier par leurs actes vont me lever. Mon roi de victoire, l'échec devient succès. Invincible tu es devant l'adversité. Irrésistible tu es. Tu apprends que rien ne sera plus pareil. Dans ta maison, ton horizon, tu comprends que tu n'auras plus jamais la paix. Diminué tu es à jamais. Et quand vient le moment où le doute rythme ta douleur pour te voler ce qu'il reste pour la route. Ah, je t'invite un jour dans ma vie, seulement là, que c'est lui-même à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas, mais pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l'équilibre. Aujourd'hui, vous avez décidé d'avancer, pas tout seul, mais en donnant la main à ceux qui en ont besoin. Je fais allusion aux pensionnaires de cet orphelinat, à qui je vais demander, pour vous, chers invités, d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour ces invités, s'il vous plaît? Merci pour ces applaudissements. Maintenant, nous allons également faire un coucou au partenaire Média pour faire allusion à H Télévision. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour H Télévision? Pour la diffusion des images, nous avons également RCG TV. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour RCG TV? Je ne vais pas tarir d'éloge pour quelqu'un, une femme. Non, elle représente tout un ministère. Je fais allusion à cette âme, une présence, un charisme. Elle s'appelle Madame Sandrine Pilot. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Madame Sandrine Pilot, représentant du MINIGEC, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Merci infiniment pour votre soutien sans faille. Est-ce qu'on peut faire du waïaï? Voilà. Comme selon la coutume, les enfants vont vous accueillir par un chant de bienvenue. Après le chant de bienvenue, un orphelin avec un enfant, un ancien pensionnaire, il n'est plus orphelin parce que vous êtes là, il n'est plus orphelin parce que je suis là, il n'est plus orphelin parce que ses tantines et ses mamans sont là. Après le chant de bienvenue, Bala Gilbert va vous accueillir. Il arrive ici à l'âge de 2 mois. Aujourd'hui, il est, je ne sais pas s'il est musicien, s'il est chanteur. Mais il joue avec la guitare. Soyez nous les bienvenus. Soyez nous les bienvenus. Nous accueillons un amour. Chez nous, soyez nous. Chez nous, soyez nous. À la fondation, nous sommes chez vous. Je vous bénis. Beaucoup, 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 beaucoup. Jusqu'à ça où dépasse.
Nous sommes vos invités, mesdames et messieurs, en gros titre, grades et qualités. Monsieur le directeur, représentant de madame la fondatrice de la fondation FACT, mesdames et messieurs les partenaires à ce projet, madame Sandrine Pilot de la plateforme des volontaires du Cameroun, qui travaille au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui a accepté d'affilier l'association Youbayou, le label Youbayou, dans ce programme de volontariat. On vit dans les maisons, on a des parents, parfois on fait des semaines sans salut, nos parents, quand ils nous appellent, ah dis donc la mère, elle aime déranger. Mais venez ici, faites 2 heures de temps et vous allez comprendre la grâce que l'Éternel vous a faite. Et aujourd'hui, désormais, aucune fille de Youbayou ne concevra et abandonnera son enfant. Ils avaient tenté de rejoindre leur maman. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Je te reviendrai vivant. Je ne peux pas te faire.
avait deux sommets dans le slap. Et vraiment, hein, les choses qu'on ramasse partout dans les quartiers pour amener dans les slap. Qui est là, on te dit d'aller à l'école, tu fuis pas, tu vas seulement servir ici là. Tu sais pas quand moi finis par allo single, ça devient au pluriel. Un cheval, des chevaux, un soldat, des chevaux. Rendez-vous le 7 juin. Me, myself, and I. I just can't remember what I'm doing. We do so far. Me, myself, and I. Everything was coming in the dark. Find someone, someone more. Something me, myself, and I. Bonjour à vous et salut à tous les téléspectateurs de la RCG TV. Je m'appelle Armstrong Lombardi, je suis entrepreneur culturel, homme de médias et événementiel. Il s'agit d'un programme culturel qui fait partie des programmes culturels menés par le label Youbayou. Donc ce que nous vivons à l'instant est un projet culturel que nous avons baptisé dans la peau d'un orphelin. Donc ça fait partie des nombreux projets portés par le label Youbayou Concept. Il faut dire que c'est le lancement de ce programme culturel qui vise à aller dans les orphelinats, à détecter les talents dans les domaines de l'art, de la culture, mannequinat, chant, danse, etc., stylisme, et j'en passe, leur donner un encadrement professionnel et dans l'espoir de les révéler au grand public. Donc ça, c'est l'édition pilote, le lancement, et l'ambition future, c'est de se déployer dans tous les orphelinats du Cameroun. C'est la raison donc pour laquelle nous ambitionnons donc de donner un encadrement professionnel à ces orphelins et de permettre à ces personnes de pouvoir vivre d'un art plus tard. C'est la raison pour laquelle nous les prenons donc en charge et on essaye de les insérer dans la société au même titre que les autres. La kermesse également est une articulation de la journée caritative. Donc la journée caritative a commencé à 6h. 6 heures, on est arrivé très tôt parce que nous sommes dans la peau d'un orphelin. À 6 heures, réveil, sport. On a eu une heure de sport avec la complicité de nos partenaires de Dreams Family, qui est un centre de formation qui nous a aidés dans cette pratique du sport. Et vers 8 heures, nous avons procédé à l'investissement humain parce que le projet dans la peau d'un orphelin, c'est une journée avec les orphelins, dans la peau des orphelins. Donc nous avons fait pour la propreté, la cuisine, la vaisselle, le ménage. Et à midi, nous avons pris le déjeuner ensemble. Et à 14h maintenant, c'est la kermesse où les membres de Youbayou, qui sont pour la plupart des artistes, font des prestations. Et aussi, les pensionnaires de l'orphelinat que les membres de Youbayou ont formés au préalable font aussi des prestations. Et au terme de cette kermesse, donc, on remet donc les dons avec lesquels nous sommes venus. Un dernier mot, c'est qu'un seul bras ne peut pas attacher un paquet. Le développement d'un pays dépend de l'investissement de tout un chacun. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut même pas tout faire. Or, nous sommes jeunes, nous sommes forts, nous avons beaucoup d'énergie, mais surtout beaucoup de créativité. Et on doit mettre cette créativité au service de notre prochain. Dans la peau d'un orphelin, c'est le divertissement au service du développement. Parce que ce que Dieu nous a donné comme grâce, c'est le talent artistique. Et nous essayons donc de mettre ce talent artistique au service de notre prochain pour le développement de notre pays. Alors vous qui nous regardez, qui avez la possibilité d'accompagner des projets, qui avez la main sur le cœur, vous les personnes de bonne volonté, voilà un projet jeune, fait par des jeunes et pour des jeunes. Soutenez-nous, accompagnez-nous, logistique, en nature, en espèces, même les conseils, parce qu'on a besoin d'un partage de savoir-faire, un partage d'expérience. Ça va nous permettre d'être plus forts pour pouvoir réaliser cette mission qui est vraiment énorme. Alors pour contacter Youbayou Concept, c'est très simple. Vous allez sur les plateformes internet. On a une page Facebook, Youbayou Concept. Youbayou Concept, Youbayou Concept. Nous avons une page Instagram, Youbayou. Nous avons un site internet, www.youbayou.com, une chaîne YouTube, Youbayou Concept, mais surtout un numéro de téléphone par lequel vous pouvez faire des dons par OM ou alors appeler pour donner des conseils. C'est le 655-58-86-32. Je répète, 655-58-86-32. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui
nous apportent déjà leur soutien. Je pense ainsi aux médias, à RCG TV, qui est un jeune média ambitieux, qui veut faire les choses différemment. Et nous espérons que cette collaboration, ce partenariat, permettra d'apporter quelque chose de nouveau à notre pays, parce que la réussite et le développement de ce pays dépend aussi de nous. Merci. Ceux qui veulent m'humilier par le sac vont me lever. Bonjour, je suis Roger Joubou-Pixmélia. J'apporte mon soutien total au projet Dans la peau d'homme l'orphelin, le Youbayou Concept. Nous n'avons pas fait de concours pour mériter d'avoir une famille ou des parents, et notre devoir est de penser à ceux qui n'ont pas eu cette grâce. Donc, soutien total à ce projet qui a besoin d'être, et tous ensemble, avec le peu que nous avons, soutenons ce projet et soutenons les enfants. Merci. Ceux qui veulent m'humilier par le sac vont me lever. Good evening and welcome to HGG TV. I'm Mademoiselle Temengo Sojemen from Youbayou Concept. What I have to say is that we need to come in help to those who need, because it's not evident that everybody has a chance to have a family. So we particularly would not have an exception. We are just thankful and we want them to come to help. Merci, merci. Salut, je m'appelle Fatih, j'ai 13 ans. J'ai 13 ans, vie de vous dire que je vais bien, mais non. En fait, je suis orphelin. Je sais que pour vous, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas le premier dans le monde à l'être. Et je vous prie de bien vouloir lire attentivement ma lettre, à l'oral. Loin de moi l'idée de vous faire la morale. Et si ma situation vous fait mal et que ma vie n'est qu'une triste voix de chorale, faites comme moi, gardez le moral. Ma mère m'avait déposé au seuil d'une porte un matin d'octobre. Il faisait sûrement froid, je sais pas. Je me souviens vaguement de l'éloignement progressif de ses pas, de quelques voix, des sourires, des pleurs à la fois. Je me souviens aussi vaguement des visages, enfin, quelquefois. J'étais amaigri, mes doigts avaient la minceur d'un stylo.